On y va. J'ai appelé les Congolais ici. Que est-ce que les Congolais, vous pouvez m'aider? Est-ce que l'État congolais, vous pouvez mettre une cagnotte quelque part? Chers amis, Appel Nanga a été écouté, entendu, suivi. J'ai eu 1 million de dollars. Chers amis, j'ai eu 1 million de dollars. Mbongo Oyo, j'ai posé la question na bakonzi ya justice. Malobité, je ne peux pas vous montrer cet argent. Je ne peux pas montrer de l'argent sur Internet. J'ai ce que je dis. Les autorités judiciaires de mon pays m'écoutent. Si je vous amène cette information, la Lukuta Moko quelque part, je demande que la justice congolaise me poursuive. Si je suis en train peut-être de faire un buzz pour fouler au pied Mbongo na biso, que la justice me poursuive. N'a qu'un de répondre. N'a sambi sama. S'il faut me condamner, ba condamner nga. J'ai eu des conseils que pour la kisate, c'est pour te protéger pour contre. C'est comme si c'est une utilisation abusive. Denge ba tuba boka kambongo. Et ce n'est pas autorisé par la loi. L'argent est ici. Je demande cet argent, c'est à tout celui qui nous dira. Ezana étape mibale. Je vous explique. Étape Yaliboso, vous nous amenez des informations, pas moi. Vous dites à l'État congolais, j'ai trouvé Corneille Nanga et Aza quelque part. Venez, nous l'arrêtons. Au facilité, arrestation à Corneille Nanga. À se retrouver peut-être dans Maboko, il y a service de renseignement congolais. Vous venez prendre cet argent. Si vous n'avez pas cet argent, Nalina Kenosa a 30 ans de prison dans la justice. Oui, Bissa, justice que. Sur base de cette émission, j'ai fait mon travail et voilà ce monsieur m'a extroqué. C'est pour vous dire que je vous dis, ce que je vous dis, c'est en toute conscience et je dois rester sérieux et honnête envers vous. Mbongo, Ozui, Obenginga, Olobi, procureur général de la République. Mbongo Nangai, Yango, Yutenga, Yango, Zoa Yango Ipaya, monsieur Honoré. Puisque ça, c'est pour l'intérêt de toute la République. Soko Zimbongote, faites de moi ce que vous voulez. Alors, deuxième chose, j'adresse ce message aux groupes armés. Si vous êtes un groupe armé et que vous nous facilitez la main, au Kangeli Biso Corneille Nanga, ce groupe armé sera amnistié. Ces jours-là, on oublie tout ce que vous avez fait comme dégâts en RDC. Ça, c'est la négociation que j'ai pu obtenir pour un groupe armé, un militaire qui va mettre la main sur Corneille Nanga. Corneille Nanga yeye. Mais Nassala Kimabe, l'amnistie existe pour dans ce pays. Il y a beaucoup qui ont été amnistiés à Lukuta. Mais ça, on va vous pardonner si vous nous amenez Corneille Nanga et vous prenez votre 1 million de dollars. Voilà, vous avez entendu, chers compatriotes. Moi, j'ajouterais que ce message est valable aussi pour les bons Ougandais qui ne veulent pas de la guerre ou des compatriotes qui vivent en Ouganda, qui peuvent mettre la main sur lui, le kidnapper et l'amener en RDC. Voilà. This message is also valid for Uganda people. If you don't like war, you are a friend of the Congolese people. Take him to the Congo, to the Republic of Congo. Take Mr. Corneille Nanga to the Republic of Congo. You will have 1 million of the United States dollars. This message is also for you, Ugandans, because we know that at this moment Corneille Nanga is not in Congo, is lying, is in Uganda. Voilà, je le dis en anglais pour que les Ougandais entendent aussi, les bons Ougandais
qui peuvent le prendre, ils auront aussi ce million de dollars.